Bonjour les amis. Le monde va mal. Le monde a ainsi toujours été de toute façon. Et quelque part, est-ce qu'on y peut quelque chose? On aimerait que ce soit mieux. On aimerait que ce soit autrement. On sait que par les temps qui courent, on aimerait un autre droit du travail, une autre répartition des richesses. On voudrait avoir de quoi se nourrir, de quoi se loger. On aimerait avoir le respect de ceux qui nous gouvernent, de notre famille, de nos amis, des gens dans la rue. On aimerait que les traitements, les médicaments qui permettent de nous soigner soient à disposition et qu'ils soient les bons. On aimerait que les lois qui sont votées le soient en faveur de la population. On aimerait que lorsqu'on va au travail, nous nous sentions en sécurité, que lorsqu'on rentre le soir, nous n'ayons pas peur de donner une maladie ou de la détresse à notre famille, à nos enfants, à ceux qui partagent cette vie avec nous. Et au fond, tout ça, ça semble tellement légitime. Et j'y pense aussi, comme tout le monde. Et voilà, on n'est pas toujours aux commandes. On n'est pas aux commandes de l'hôpital, même si on en est le plus haut responsable. On n'est pas forcément aux commandes de l'État, même si on est le président même. On n'est pas forcément aux commandes du gouvernement, même si on est premier ministre. Et en fait, cette réalité que nous ne sommes pas aux commandes, c'est-à-dire que ce qu'on pense être, ce que la personne dans laquelle on s'incarne n'est pas aux commandes, ce n'est qu'une pensée, et que cette pensée, elle est chargée de désirs et de souhaits. Quelque part, si on en prend conscience, ça peut être bon pour nous. Parce qu'on arrêterait les recherches impitoyables, la quête de justice, le fait de vouloir, tu sais, désirer quelque chose sans cesse. Et alors peut-être que l'attention qui était à l'extérieur reviendrait et se recentrerait vers l'intérieur. Et nos discours seraient autres. Et par les temps qui courent, il me semble essentiel d'aborder certains sujets, toi et moi, pour penser, parler, agir, toujours avec enthousiasme. Et j'aimerais te révéler dans ces quelques vidéos le fond de ce que je vis au quotidien, et non pas d'une pensée seulement, qui viendrait défendre, juger, critiquer, qui viendrait à la barre pour faire un procès, mais d'une parole, qui n'est autre qu'une action, qui n'est pas juste du bavardage qu'on a au quotidien, et qui peut-être, quand on l'entend, est une paix que tu vis actuellement toi-même, mais que peut-être les pensées, les désirs et les souhaits ne laissent pas encore émerger. Voilà, cher ami, il y a en ces temps qui courent différents sujets qui me viennent, par exemple les lois qui viennent d'être votées contre le droit du travail, pour le flexibiliser, pour l'assouplir. Et moi-même, je suis pour le fait que nous puissions tous contribuer à cet état, à cette économie, les uns avec les autres, main dans la main, mais pas qu'on nous dise donnez-vous la main et puis nous profiterons de vous. Pas qu'on nous dise ben faites un effort, soyez des héros, et puis ceux qui possèdent les titres de propriété et les actions en profitent financièrement, économiquement. Pas qu'on nous dise eh ben allez porter un masque loin de nous ou pas. Et qu'on nous laisse là sans matériel et sans rien. C'est des choses dont on peut parler, dont on peut s'exclamer, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Lancer une pétition, une énième pétition, créer encore une page Facebook pour détruire l'un, favoriser l'autre. À quoi ça mène tout ça? Je pense à ces 600 médecins qui veulent faire un procès à nos dirigeants. Je suis tout à fait pour. Ça va mener où?
Ça va donner plus de masques, ça va donner plus de soins. Est-ce que ça va sauver des vies? Et si ça les sauve, quand est-ce que ça les sauvera? Entre nous, vraiment. Même si tu veux faire justice après que tout cela soit passé, peut-être qu'on sera plus en vie, toi et moi, et tous ceux qui sont morts. Peut-être que rien de tout ça n'a de sens en vérité. Tu t'es posé la question. Peut-être que cette énergie que l'on donne à l'extérieur, eh ben, elle pourrait avoir une toute autre influence si elle était orientée vers l'intérieur dès maintenant, et que l'action serait autre que celle de frapper, de faiblir un quelconque adversaire qui n'est autre qu'une autre partie de notre pensée. Voilà, cher ami, il y a des sujets qu'on n'ose pas aborder, comme par exemple notre classe sociale. On pense tous plus ou moins, toi qui écoutes, moi qui parle, que on est d'une même classe sociale, qu'on est plus ou moins de la classe moyenne, parce qu'on a un SMIC, parce qu'on a une petite entreprise, parce que nous ne sommes pas riches à millions. On pense qu'on est de la classe moyenne et on se définit de la sorte. Et on ne se rend pas compte qu'on est peut-être dans le même panier du prolétariat ou du sous-prolétariat, qu'on soit salarié ou qu'on soit au RSA. Et qu'au-dessus de nous, il y a ben, des personnes qui se sont placées et qui possèdent les actions et les titres de propriété. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire appel à Pôle emploi bientôt pour que toi et moi venions travailler dans les champs, que nous venions, par obligation d'État, venir miser nos congés, venir miser le temps de vie qui nous reste en bonne santé. Et cela, on ne s'en rend pas compte de cette histoire de classe, de cette histoire où nous nous sommes divisés à l'intérieur même de nos pensées. Il y a d'autres choses dont on peut parler et qui sont tout aussi importantes. Parce que déjà, si on se rend compte qu'on est dans le même panier comme ça, on voit vers où orienter notre attention. Parce que dès lors qu'on a peur et qu'on se replie sur nous-mêmes, on ne se rend plus compte que nous sommes en train d'être pillés. Non pas par quelqu'un d'autre, mais seulement par nous-mêmes, par nos propres intentions, par notre propre individualisme, qu'on peut régler d'ores et déjà à l'intérieur et qu'on peut aller conquérir à l'extérieur, mais seulement une fois que nous sommes en paix, pas dans la révolte perpétuelle. Pour cela, il est certes certain que des vies sont nécessaires et qu'on ne peut avancer sans donner sa vie. Il y a d'autres sujets dont on peut parler. C'est quand c'est en trouble, des idéologies sont mises en branle. Par exemple, l'idéologie de l'entrepreneuriat et du libéralisme, qui nous dit, ben, travaille, entreprends, deviens riche, emploie et tu seras quelqu'un. Le mythe de l'image de quelqu'un. Tu vois, comme par exemple, ces images-là, j'ai été éduqué avec. Toi comme moi, peut-être. On m'a dit un jour, quand je faisais mes études, ben, il faut que tu suives le pape de l'économie, qui est Dominique de Strauss-Kahn. Et tu as vu ce que ça a donné. J'ai un ami, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a quelques mois, il me disait, mais Farzad, moi j'ai voté pour Emmanuel Macron. Je lui dis, mais moi aussi, je pensais que c'était un bon candidat. Même si je me méfiais un peu de loin, parce que la discrétion trop forte sur le personnage, je me disais, ben, il y a quelque chose qui se passe derrière, peut-être. Il m'a dit, je savais pas, Farzad, parce qu'il parlait comme David Laroche parle. Il parlait comme David Lefrançois parle, comme Martin Latulippe parle, comme tous ces gens du développement personnel parlent, pour la réussite, pour le succès, pour l'effort qui ferait l'argent, qui ferait le bonheur, pour le développement, le dépassement des croyances, etc., etc., etc. Et je me suis fait avoir, mais par quoi est-ce que tu t'es fait avoir? Par quoi on se fait avoir, toi et moi? Peut-être c'est par nos propres pensées, par nos propres désirs, par nos propres projections que l'on veut. On veut un peu plus d'argent, on veut un peu plus de confort, on veut un peu plus de reconnaissance, on veut un peu plus de dignité. Et plus on veut, et plus il y a à vouloir. Tu vois, on s'en sort plus de ça. Et on peut parler des intellectuels, on peut parler des scientifiques, on peut parler de ceux qui sont aujourd'hui les gourous et les images encore que suivent beaucoup de personnages. Mais au fond, est-ce que ça nous mène? Tu vois, je te donne à parier que, à l'heure où je vous parle,
Même les grands papes du développement personnel sont au pied du mur et n'ont rien à dire face à la situation. Et s'ils ne disent pas, nous ne savons pas, c'est que peut-être ne sont-ils pas honnêtes envers eux-mêmes. Nous ne savons pas. Ce serait peut-être le premier pas à franchir. Comme j'étais au téléphone avec un responsable d'une clinique qui me disait « Qu'est-ce que je dois faire? Accompagne-moi, Farzad. » Je lui dis « Je ne sais pas, et toi ?» Tu penses pouvoir diriger, tu penses pouvoir planifier, mais quand lâcheras-tu prise? En te disant je ne sais pas, parce que j'aurai pas assez de masse, j'aurai pas assez de matériel. Et de laisser faire la vie telle qu'elle est. Peut-être que la mort viendra, la souffrance sera là. Et nous devrons l'accueillir. Peut-être pourrons-nous l'accueillir, peut-être en aurons-nous la force et la foi. Ou peut-être pas. De voir ça, c'est grand. Parce qu'on voit que le personnage qui est là, qui parle, n'a aucun pouvoir. Sa pensée qu'on a glorifiée des années durant, on se rend compte qu'elle n'est pas fiable. Ses désirs, son ego, ses objectifs, ses envies, tous ses voyants au rouge. Il ne sait plus quoi faire. Alors voilà. Il y a des pensées, il y a des courants de pensées qui nous mènent et nous entraînent à aller faire des recherches sur ce qu'il se passe dans le monde. Pas pour vraiment s'informer en profondeur, mais juste pour savoir ce qui se passe. Et tout ce qu'on reçoit, c'est de l'anxiété et de la peur. Tout ce qu'on reçoit, c'est le malheur. Mais que faire face à ça? Alors moi, j'en fais appel à tous les gourous, toutes les chefs de file, tous ceux qui parlent, et quand ils parlent, les gens les écoutent. Cette parole-là, elle a une responsabilité face au monde, peut-être celle de faire revenir à la paix et à l'essentiel, à l'essence de ce qui se produit là maintenant. Pas de ce qui adviendra demain si on fait telle ou telle chose, si on mène telle ou telle lutte, mais ce qui se passe maintenant. Et depuis ce maintenant, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui est là, et tout cela ne date pas d'hier. D'abord, les épidémies ne datent pas d'hier. Et puis ensuite, l'orgueil et le vice de l'être humain ne datent pas d'hier non plus. Les vertus développées par certains ne datent pas d'hier. Et j'aimerais en pointer un aujourd'hui même pour donner un exemple de ce qui se passe lorsque nous sommes dans cette connexion et dans cette communion. Dès lors que l'on ferme les écoutilles et les portes aux informations de ce monde, nous pouvons peut-être nous recentrer et venir aux voies et aux traditions. Ce que j'appelle les voies et les traditions spirituelles sont les voies ouvertes par certains individus qui sont dans émergences de l'ouverture de voies du divin. Et ça, c'est l'erreur qu'a fait le développement personnel à mon idée. À mon humble avis, peut-être que j'ai tort. C'est d'avoir dit, on dépasse nos croyances. Ok, c'est bon. C'est d'avoir dit, on va atteindre des objectifs. Pourquoi pas? On atteint des objectifs. Ok. Mais c'est d'avoir dit, nous sommes ce qui remplace les traditions spirituelles et les religions. Et là, il y a eu une erreur. Et l'autre erreur dans les voies spirituelles, ça a été peut-être de se transformer en religion organisée. Et là, c'est là que ça a commencé à nous dégoûter. On voit bien l'évangéliste arriver, et le prédicateur, celui qui est un peu prosélyte, qui veut convertir l'un ou l'autre à venir dans sa paroisse. Et ça, ça nous a un peu dégoûté. Que ce soit dans la religion ou la culture judéo-chrétienne, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans n'importe quelle tradition de laquelle on est, on a pu être dégoûté de tout ça. Et pourtant, et cependant, il y a dans tout ça, au milieu de tout ça, des enseignements. Il y a une guidance riche de leçons. Et j'aimerais partager quelques-unes d'entre elles avec vous aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec mon métier d'orateur, ni de consultant formateur en prise de parole, ni d'accompagnateur de dirigeants. Mais simplement, j'imagine que dans le monde dans lequel nous sommes, peut-être nous pouvons de plus en plus partager ce qu'on a sur le cœur, certes nos émotions, certes nos pensées, certes ce qu'on aimerait, mais en profondeur ce qu'on n'osait pas dire jusqu'alors.
qu'on n'osait pas afficher sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple, ou dans nos entreprises, nos prières et notre cœur sincère. Alors je vais commencer par exposer quelques traditions spirituelles, quelques voies, si tu préfères le mot voie. Pas tradition en tant que coutume hein, à suivre, attention. Pas les ritualismes et les rituels sempiternels qui nous ont fait fuir, toi et moi, mais des paroles. Alors, l'argent, il est bien à propos puisque c'est un sujet qui est traité aujourd'hui de par le monde. Il y a de moins en moins d'argent, il nous en faut, il faut faire marcher l'économie et on n'en a pas. Quel est notre bien le plus précieux? Eh ben, voyons ce que disent ces voies spirituelles. La première que je vais à lire, ça va être celle du livre des 40 paroles divines qui ont été tirées de Hadith, c'est-à-dire de paroles inspirées, des paroles divines inspirées aux prophètes, qui ont été récoltées dans l'école qui s'appelle l'école traduite par l'équipe de traduction de Maktab Tahrirat Oveissi, Chor Marsoudi. À Paris. Voilà, le livre s'appelle Livre des 40 paroles divines, suivi de 40 paroles prophétiques. Voyons pourquoi est-ce que l'argent nous mène au gouffre. Ô serviteur de l'argent. C'est la septième parole sur les 40. Ô serviteur de l'argent. Je n'ai créé l'argent qu'afin que vous puissiez manger de ma nourriture, que vous puissiez vous habiller et consacrer le reste à ma voie. Mais vous avez marché sur mon livre et vous avez servi le monde d'ici-bas. Vous avez donné de la valeur à vos maisons et dévalorisé la mienne. Vous avez habité vos maisons et laissé déserte la mienne. Vous n'êtes pas des serviteurs libres et reconnaissants, ô serviteurs du monde d'ici-bas. Vous ressemblez à des tombes ornées, belles en surface et hideuses à l'intérieur, ô fils d'Adam. Tout comme la lumière extérieure à la maison ne diminue pas l'obscurité à l'intérieur de celle-ci, de même, vos bonnes paroles n'influent pas sur vos mauvaises actions, ô fils d'Adam. Sois sincère dans tes actes et ne me réclame rien. Car je t'offre beaucoup plus que ce que tu ne pourrais me réclamer. Alors ça, c'est dans la tradition de l'islam, la voie de l'islam. Voyons-en une autre. La tradition qu'on dit judéo-chrétienne, la tradition juive, il y a, vous prenez la Bible, alors celle-ci, je crois que c'est la Louis II, psaume 15 et 16. Je vais vous les lire. Ce sont des paroles du roi David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? On se rend bien compte que lorsque dans l'islam il raconte ben, ma maison, ma demeure, ce sont les mêmes paroles qui reviennent. Il n'y a rien qui s'invente. Je veux dire, à un millénaire, 2 millénaires de distance. C'est la même parole qui est dite, mais qui l'entendra? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point le mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Pas d'échec. Ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien le plus précieux. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection.
On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant la face, devant ta face, des délices éternels dans ta main. Alors, on voit bien qu'il y a un bien beaucoup plus précieux que l'argent, les biens, et que nous pouvons y accéder, et que cela n'est pas lié à notre corps, mais qu'il peut tout aussi bien protéger le corps. Qu'il y a des petits biens dans ce bas monde, et qu'il y a les plus grands biens, les plus précieux, qui est, selon cette Bible, selon David, le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que ce Seigneur? Si on utilise le doute systématique qu'on a dans le développement personnel, qui doute de tout, qui dépasse les croyances, si on dépasse toutes les croyances, tous les ritualismes, toutes les divergences qu'on a entre les religions les uns les autres, peut-être arrivons-nous à une convergence. Peut-être que si on franchit les barrières que nous avons mises entre nos classes sociales, peut-être rencontrons-nous les uns les autres sur un terrain commun. À voir, peut-être que ces lectures pourraient offrir au cœur une paix insoupçonnée, qui nous mènerait dans une action qui nous dépasse, que nous-mêmes on ne comprend pas, qui est au-delà de notre intelligence. Alors ce discours-là, en parallèle de tous les autres, c'est celui de Jésus, Matthieu, chapitre 5. Jésus monte sur la montagne et parle à la foule. Nous allons aller au verset 19. Chapitre 5, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors du ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Oui, on nous a volé le droit du travail, mais c'est quelque chose qui est dérobable. On nous a volé notre argent, qui se trouve dans les bocs. On nous a volé la République, la démocratie, qui était entre nos mains. Mais tout cela n'est pas le bien le plus précieux. C'est pour ça qu'il peut nous être volé. Donc, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, qui est en toi, et ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez aimer Dieu et l'argent. Dans certains textes, il y a marqué Dieu et maman. C'est, on va dire, l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans ses greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, considéré comme comment croissent les lys des champs? Il ne travaille ni ne file. Et pourtant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas donc, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain se suffit à lui-même, aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je vous laisse lire par vous-même le chapitre 7 de la Bible. Matthieu, discours sur la montagne. Je vais vous lire maintenant un texte qui est tiré des traditions bouddhistes. On se rend bien compte que ce sont les mêmes messages quand même. Je veux dire, de toi à moi. Alors, on ne va pas ségréguer l'un et l'autre. Il y a une union complète. Tous sont en train de dire, pas d'intérêt sur l'argent, ne fais pas payer ton voisin, ne t'inquiète pas pour demain, et reviens à ce qui est le plus essentiel, ton Seigneur intérieur, qui n'est autre que cet enthousiasme. Bon. Pourquoi on n'y vient pas, même par temps de crise? Aurait-on peur de ce que nous sommes? À faire face à ce que nous sommes? Alors, je vais lire un court passage de The Art of Power, écrit par Thich Nhat Hanh, un peu après qu'il ait rencontré Martin Luther King. Thich Nhat Hanh est l'un des maîtres spirituels que j'ai suivi et qui m'a enseigné. Donc il y a les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, mais aussi donc ici bouddhistes, que j'ai approchées. Il parle ici de 5 pouvoirs que nous avons tous. Mais voilà l'introduction de ces pouvoirs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous lirez le livre, vous pourrez le commander. Et je vous les lirai plus tard. Ça fera plus que le cadre d'une petite vidéo comme ça. The 5 spiritual powers. C'est écrit en anglais. What most people call power, Buddhists call craving. Ce que les gens appellent pouvoir, les bouddhistes appellent ça le manque. Les manques. The 5 cravings are les 5 manques de l'humanité sont là pour souvent la célébrité, fame, wealth, la richesse, ça revient, l'argent, le sexe, mais aussi les gourmandises, les appétissantes, on va dire la bouffe, et beaucoup de repos, c'est-à-dire une oisiveté excessive. Pascal écrit dans ses œuvres, il parle du divertissement. Et nous sommes aujourd'hui dans une société du divertissement. Tout est là pour nous divertir. Mais aujourd'hui, comme on est confiné à la maison, on a un peu moins à se divertir, donc on a plus de chances de découvrir ces choses-là. À moins qu'on ne prenne le téléphone et qu'on aille constamment sur les réseaux sociaux, sur Internet et à la télé pour se polluer l'esprit. On se rend compte que dans le bouddhisme, il y a 5 autres sources de pouvoir. Autre que le sexe, l'argent, la nourriture et puis le divertissement. Alors, à savoir que dans l'hindouisme, il est question des mêmes choses. Il y a ce qu'on appelle les vasanas, qui concernent l'argent, le pouvoir, la nourriture et le sexe, qui font dévier en fait l'énergie vers les choses extérieures et de les concentrer à l'intérieur dans le royaume du Seigneur, tel que Jésus nous y a invités là tout à l'heure. In Buddhism, we speak of the 5 true power. Dans le bouddhisme, on parle de 5 véritables pouvoirs. 5 kinds of energy, 5 sortes d'énergie. The 5 powers are faith. Ces 5 pouvoirs sont la foi, la diligence, on peut traduire ça par peut-être la vigilance, et le fait de pratiquer, l'attention vigilante, d'être là, présent, dans ce qu'on fait, de voir à chaque instant ce qu'on fait. Mindfulness, la pleine conscience. Concentration, concentration. Et enfin, insight, qu'on peut traduire par la vision. Donc,
Là encore, si tu rentres dans le détail du texte, tu te rends compte que c'est exactement ce dont a parlé Jésus, ce dont a parlé le prophète Mohammed, ce dont a parlé aussi David. Tout ça, ben voilà, ça se dit et ça se redit. Maintenant dans l'hindouisme, j'ai découvert l'hindouisme un peu avant que je rencontre ma femme, et plus particulièrement l'une des six branchées de l'orthodoxie hindouiste, celle de l'Advaita Vedanta, l'école du non-dualisme. Tu vas voir que ben tout ça se ressemble. Tout ça parle de la même chose, de l'abandon de ce qui est à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Et là se produit une action. Mais vois comment elle se produit, sans ta volonté. Parce que l'ego n'a rien à faire dans tout ça. À propos de Thich Nhat Hanh, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Jésus vivant, Bouddha vivant. Donc la conjonction, la jointure, la convergence. Parce qu'en direct, tout ça, ben, c'est des chemins qui partent au pied d'une montagne et qui au sommet convergent. Ça, c'est des extraits tirés des maîtres des Védas. Je vais vous en lire deux. La Vadutta Gita, tout d'abord. La réalité est seule, partout égale, disent les sages. C'est en renonçant aux passions, les fameuses passions, tu sais, l'argent, le pouvoir, la nourriture, le sexe, les divertissements, tout ça. La réalité est seule partout égale, disent les sages. C'est en renonçant aux passions que la pensée cesse d'être une ou multiple. Les textes sacrés nous disent de mille façons que tout cet univers du ciel jusqu'à la terre n'est que l'eau d'un mirage. Si tu es identique à l'un, égal en toute chose, pourquoi pleurer? Ô pensée, toi qui partout es la même, quand il n'y a plus rien à chercher, il n'est plus rien à désirer. C'est immergé dans la perception de l'égalité des choses, c'est concentré et purifié que l'Avadutta dit la réalité ultime. Le mobile et l'immuable sont irréels. Le visible et l'invisible sont irréels. Si seule la réalité est en soi, pourquoi pleurer? Ô pensée, toi qui partout es la même, ni espace dans la jarre, ni corps, ni âme, nulle répartition entre cause et effet. Pourquoi pleurer, ô pensée, toi qui partout es la même? Père, mère, famille, race, naissance, mort n'ont jamais pour moi d'existence. Comment parler alors de passion et d'illusion? Ma nature est béatitude. Je suis libre. Il renonce à toute méditation. Il renonce à toute action bonne ou mauvaise. Ils boivent. Ô mon ami, le nectar du renoncement, ceux qui sont sages, ma nature est béatitude, je suis libre. Les Écritures disent toutes que la réalité est immatérielle, pure, immuable, sans corps physique, partout égale, je suis cette réalité, sache-le, sans nul doute. Ce qui a une forme est irréel, sache-le, seul, sans forme et éternel. C'est par la transmission de cette vérité qu'on ne reconnaît pas de renaissance. On voit bien là encore une fois que nous sommes en face de paroles qui sont les mêmes. Alors, ces paroles-là, nous ne les avons pas dans, on va dire, les pensées politiques ou les pensées du développement personnel, parce qu'elles introduisent une notion de détachement, de renoncement, d'abandon, de certaines choses qui sont désirées. Par exemple, celui qui se situe dans un discours de la lutte des classes, ben, il voudrait que gagner cette lutte des classes. Donc il y a une division qui se produit. Celui qui, par exemple, voudrait plus d'argent dans la pensée libérale,
Voilà, elle a David Laroche, elle a Emmanuel Macron, elle a David Lefrançois, elle a Anthony Robbins, etc. Et dans la quête d'obtenir quelque chose, le renoncement à tout ça remettrait en branle toute sa philosophie, tout ce sur quoi il base sa croyance même. Et donc ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la pensée qui est spirituelle, la pensée qui est de ce qu'on vient de lire ensemble, cette voie-là qui est ouverte, on ne peut y entrer que s'il y a une certaine dose d'abandon, voire même un abandon total, comme on vient de lire dans la tradition et dans les voies de l'hindouisme. Tukaram, quelle main fait mouvoir mon corps, qui me fait parler, sinon le Seigneur? Que David parle bien comme ça dans les psaumes aussi. Si tu lis un peu, tu vas voir. Qui me fait voir, qui me fait entendre, Narayana seul. Ne manque pas à lui offrir ton adoration. C'est Dieu qui crée en moi l'illusion d'être un moi. Quand je dis moi, j'agis. C'est lui qui me donne cette illusion. Qu'il y a un toi, qu'il y a un moi, qu'il y a une image qui te parle là avec des mots. Sa main fait frémir les feuilles des arbres. Où mon moi pourrait-il trouver sa place? Nulle part. Vitôt remplit tout l'univers, dit Tuka. Quel être vivant ou inanimé pourrait être sans sa présence? Si tu veux faire une visite, visite les saints. Ne pense à aucune autre occupation. Éteins la télé, éteins les réseaux sociaux, les articles ça et là, les luttes éternelles. Et reviens à toi, mon vieux. Si tu veux faire une visite, visite les saints. Ne pense à aucune autre occupation. Ils cherchent un seul trésor, Dieu. Leurs lèvres ne murmurent aucun autre nom. Si tu désires des compagnons, choisis les saints. Ne pense à aucune autre amitié. Si tu veux t'asseoir, fais-le parmi les saints. Ne pense à aucun autre repos. Si tu veux marcher, va au village des saints, ils te donneront la paix. Les saints, dit Tuka, un océan de bonheur, ils te donneront d'infinies richesses. Là encore même, la richesse n'est pas la même que celle dans le monde. Je suis aveugle de nature. Dans mon visage, sans trait, le mouvement m'est immobile. D'homme, je n'en vois pas. Je demeure en ce lieu où je et mien sont tombés. Tout le visible m'est invisible. Détaché du néant, mon bonheur est un sommeil sur le sommet de la montagne où je reçus sans rien donner. J'ai laissé choisir le vase des désirs bons et mauvais. J'ai quitté la ronde hurlante de mes trois puissances, alors j'ai reçu assurance de ne jamais plus mendier. La 25e heure est venue qui combla tous mes souhaits. Visage levé, je murmurais sans fin ces mots, moi, lui, qui réveillèrent dans le visage, affolèrent d'amour le donneur, il m'offrit en charité sa connaissance de soi et son être. Me voici dans ma nature immergée, seuls nos noms maintenant diffèrent. Ces deux mots sont une source de bénédictions multiples, je les donnerai à mon tour, à qui viendra trouver. Ces deux mots sont la route qui toujours conduisit les saints, ils sont sauvés, sauvés, et tant d'autres par cette foi. Et le seul essentiel, avoir foi totale. La raison est un brigand qui nous pile quand nous allons. Dénoue les attaches du monde. Dévoue-toi à cette seule foi. C'est le chemin que tracèrent tous les saints de jadis, autrefois. Cher ami, peut-être ne seras-tu pas sensible à toutes ces voies spirituelles. Choisissant une, prends un des livres. Commence à lire. Va dans ce voyage intérieur. Visite un coup. Visite le temps d'un confinement.
À l'heure même où je te parle, un moustique qui m'a piqué là, s'est posé là en bas de la caméra. Si même lui, il écoute ce moustique, pourquoi nous l'écouterions pas ?